Dans cet épisode, nous allons continuer à poursuivre notre évolution scientifique et nous allons aussi apparier sur notre première pseudo-planète. Et voilà, 4 connectés pour gagner un petit peu plus de ressources et surtout du carbone pour l'alimentation. Là, je suis limite. 35 sur 36. On va essayer de faire un petit sol pour l'étage ici. Là, on est en train de bouffer les plaques. Bon, là, il y a parfois des petits bouchons. Donc, je vais changer l'itinéraire de ce convoyeur-ci. Voilà, comme ça ils arrivent dans deux entrées D'accord, différentes. Comme ici, on peut dire qu'on est tout juste en termes de gestion d'énergie. Vous voyez que ça arrive, mais tout juste. Je vais rajouter un réacteur au carbone et je vais au sous-sol rajouter des éléments qui capturent les astéroïdes. Comme ça, je suis sûr d'avoir suffisamment d'énergie pour les prochains éléments que je vais rajouter. En même temps, on sera assez tranquille pour pouvoir récupérer une partie du carbone pour fabriquer le reste de nos éléments. On continue le même principe. Il y a juste dans nos blocs logiques qu'on va devoir changer toute notre configuration. Donc on en a 4. Donc celui-ci, on va mettre 50-50. Celui-ci, on doit en mettre 2 sur 1. Et celui-ci, 3 sur 1. Donc 1 qui va par là, 3 pour la suite,
1 qui va par là, 2 pour la suite, 1 à droite et 1 tout droit. Et donc là, il est divisé en 4. Maintenant qu'on est tranquille, on retourne à l'étage en dessous. On va rajouter à cet endroit-ci au moins 2 éléments qui vont capturer les astéroïdes. Donc rappelez-vous, première chose à faire, rajouter des blocs de fondation. Je ne sais pas si ça se nomme vraiment comme ça, mais je les appelle blocs de fondation. À mon avis, là, je n'en aurais pas assez. Il manque des tiges. Donc, on va aller voir comment faire un peu plus vite des tiges. Donc, vous voyez, justement, il manque du carbone. Je me demande si je ne l'avais pas filtré. Ici. Donc, j'ai bien dit 1. Oui, c'est juste 1 et 3 par là, ça me semble correct. Est-ce que j'en ai en stock? Non. Ben, on va aller farmer du carbone, en rajouter vite fait. Et voilà, après un tout petit peu de farm, on rajoute les éléments nécessaires. Donc évidemment, on n'oublie pas de rajouter du sol. Non, il n'est pas d'accord de nous rajouter notre élément. Oui, parfois ça va beaucoup plus vite de passer par le menu construction que par les raccourcis. Là, on voit clairement qu'il va nous manquer au moins un bloc ici pour pouvoir rajouter l'électricité. Et voici, un de plus. Je vérifie. 39 sur 36. 39 sur 36. Ah, sûrement qu'il n'est pas alimenté. Donc là, on va vérifier. Il y en a qui ne doit pas être alimenté. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Et lui aussi. Oh, que je suis biaise. J'ai oublié de le raccorder, donc du coup, il consomme du carbone et il ne donne pas de l'électricité. Maintenant, on a 39 sur 46 et on peut voir que je peux rajouter encore un élément ici en dessous, augmenter ma production et je rajouterai encore de nouveau un brûleur à carbone. Et puis, on passera à la suite. Comme ça, on sera tranquille. Toujours des barres pour le moment. Ici je vérifie, est-ce que ça sort? Oui. Vu qu'il y a une entrée identique, ça sort bien par là, c'est parfait. Et voilà, c'est parti. Autant les raccourcis ne sont pas toujours utiles, autant quand vous finissez par les connaître, ça va beaucoup plus vite. Dernier qui envoie les ressources. Ici, ça se passe bien. Il n'y a pas encore d'embouteillage, c'est limite, mais ça va. Avec tout ce que je viens de rajouter ici, donc je suis à 43 sur 46, tout se passe bien. Je vais rajouter un élément de carbone, car je ne vais pas m'en sortir tel quel. Et de nouveau, bloc logique. Et on fait dans l'autre sens. 0 à 1. Vous voyez, c'est facile. A tout droit, A à droite.
ici, bah, comme j'en ai deux tout droit à droite, trois tout droit à droite, quatre tout droit à droite. Prochaine étape, toujours les étapes passent souvent par la technologie. Donc ici, j'ai pu construire, on n'est pas toujours obligé de passer dans cet ordre-là, mais ici, je voulais vraiment transformer la base. Comme je vous l'ai dit via le premier épisode, j'ai déjà parcouru un petit peu la démo, et donc on manque suffisamment de place. Donc, prochaine étape, on va construire l'hydrogène qui va nous permettre de construire des moteurs et d'aller un petit peu plus loin dans le jeu, de passer à une nouvelle étape. L'hydrogène, on voit ici que j'ai de nouveau Science de l'ingénieur 4. Avant de construire mon moteur à hydrogène, je vais aller, tant que pour le moment j'ai suffisamment d'énergie. Encore, ah, j'ai fait encore la même erreur. C'est quand même honteux ça de faire plusieurs fois la même erreur. Donc ici je suis à 43 sur 50 suisses, je suis large en énergie. Momentanément, vous voyez que j'ai mis des barres qui calculent et je peux l'activer. On va fabriquer notre système d'hydrogène. Alors le principe du système d'hydrogène, on va pouvoir le voir via les dispositifs. C'est plus celle qu'elle. Générateur d'hydrogène. C'est qu'en fait, il va utiliser de l'eau. Comme vous pouvez le voir directement ici, de l'électricité, une entrée et de l'eau. Donc je vais devoir le mettre assez proche de celui-ci. Je vais le tourner. Vous voyez, comme il a une sortie, fatalement, je ne vais pas le mettre contre le bord non plus. J'essaye d'espacer un minimum mes éléments pour pouvoir jouer avec les tapis plus tard. Là, j'ai de la place, ça me sort très bien. Première chose, on lui met de l'électricité. Sans ça, il ne fera pas grand-chose. Ok. On rentre dedans et il nous dit voilà, j'ai besoin de carbone et d'eau pour fabriquer de l'hydrogène. Première partie, l'eau. Donc c'est assez facile. Avec mes tuyaux, ici en bas, comme on l'a déjà vu, je vais pouvoir arriver jusqu'ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire partir mes tuyaux en l'air. Je vais suivre mon fil électrique. Ouais, en dessous de mon fil électrique, ça n'ira pas. Ouais, je vais le faire passer juste en dessous. La question, c'est de savoir est-ce que j'en aurai assez. Ça, j'aurais pas dû. Donc là, je vais le détruire, je vais le construire plus haut. J'ai dit plus haut. Raté. Donc je viens de détruire un élément que je viens de construire, donc c'est un petit peu du gaspillage de ressources. Donc je vais continuer mon tube ici. Et alors la question c'est devant ou derrière, je vais le faire aller comme ça. On va reconstruire notre fameux générateur d'hydrogène. Il est en place. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque du minerai de carbone, puisqu'il a déjà de l'eau. Il a déjà de l'eau, l'eau peut arriver. Oui, oui, oui. Allez, dodo comme on dit toujours. Vous voyez pourquoi j'ai besoin de carbone. Donc ici j'en ai un peu beaucoup. Ah bah j'en ai en stock. Donc momentanément, je vais lui mettre celui que j'ai directement dans mon inventaire. Il fabrique de l'hydrogène. Première partie.
on va devoir aussi ici lui envoyer du carbone. Je construis d'abord mon petit convoyeur dans le bon sens. Rappelez-vous que là, un tiers du carbone va déjà ici pour fabriquer des tiges. Quand il y en a, vous voyez qu'il y a une fameuse quantité de plaques. Et sur le carbone qui arrive ici, il va falloir qu'une partie arrive aussi à cet endroit-ci. Quand je vous parlais au préalable que la quantité est presque plus importante que le système mis en place, on a l'exemple type ici. Oui, non, ça va pas aller ça. Non! Ça marchera pas. Donc je vais devoir en mettre un ici. Je vais mettre un qui pousse. Si je le configure, bon, rien ne va devant. Un va à droite. Et 5, ouais, ça me semble beaucoup. Et alors maintenant, je vais mettre un convoyeur dans ce sens-ci. Et je vais mettre un autre bloc logique qui va pousser le carbone. On le configure vite. Donc le carbone arrive, c'est pas ce que je voulais faire. Le carbone est poussé ici. Voilà. Et ici, une fois il va aller par là, et X fois il va retourner vers les brûleurs de carbone. Alors, ici, il nous conseille d'utiliser la carte et d'utiliser des propulseurs électroniques. Je vais le rendormir. Donc la carte avec la touche M par défaut. On est dans un système solaire, donc voilà notre station spatiale, on va dire. Et on aperçoit une partie des planètes. Donc les planètes, en fait, ce sont ceci. C'est la partie sphérique de ce qu'on atteint de chaque planète. Donc la plus proche, c'est The Collide. Nom un peu bizarre, donc Terra gelée. Il y a des formes de pics, c'est vallonné. Et elle est très grande. Et puis on a la composition des ressources. Donc on voit qu'il y a énormément de carbone, du fer, etc. On en a toute une série. La suivante, c'est volcanique. La troisième, c'est du gravier, etc. Du désert. Et chaque fois, une qui est de plus en plus loin. Dans mon test, j'ai déjà testé celle-ci, la plus proche. Donc je vais essayer d'aller sur celle-ci qui s'appelle Simon 4X. Ce sera ma cible une fois que je vais pouvoir déplacer la station spatiale. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on fabrique de l'hydrogène? Pour pouvoir fabriquer la suite qui n'est rien d'autre que des moteurs. On peut voir ici, j'ai pas besoin de science de l'ingénieur, donc je peux fabriquer mon moteur et je vais pouvoir les installer. Par contre, ceux-ci consomment de l'énergie. Donc je vérifie bien que j'ai bien du carbone. On peut voir que je peux utiliser 6 de consommation de l'énergie. Lui, il en consomme toujours. Dès qu'il aura fini, je pourrai le désactiver. Je reprends ma map. Donc moi, je suis ici. Et la planète est plutôt à l'est. Donc si on regarde ma position, plutôt dans mon dos. Donc est-ce que l'est serait par là? Exact. Donc comme l'est est par là, je vais placer mes petits moteurs ici pas loin. Est-ce que j'ai appris à les fabriquer? Je ne sais plus. Oui.
Dispositif peut-être ? Oui, voilà, moteur. Et pour faire des moteurs, il me faut 4 propulseurs électriques. Et donc, avant toute chose, soit je vais les récupérer manuellement, ou soit je les envoie automatiquement via des convoyeurs. Évidemment, ce qu'on va faire. Hop. Ah. Ah bon, on peut voir celui-ci, je l'ai mal orienté. Donc on va le tourner. Et c'est parti, voilà. Ok, maintenant qu'on a de l'hydrogène en stock, et donc du coup lié à notre inventaire, on peut fabriquer nos petits moteurs. Donc la quantité de moteur va donner la puissance qu'on va pouvoir utiliser. Je ne sais plus quelle est la consommation d'énergie, 3, et on a dit qu'on avait la possibilité de dépenser 6, sauf dès que lui aura terminé, il a terminé, on le désactive. Donc là on a la possibilité de dépenser 11, et 11 divisé par 3 ça fait pas 4, donc on va en mettre 3. Et voilà. Dès qu'ils sont branchés, automatiquement, ils vont tout droit. Vous voyez qu'on peut aller orienter légèrement à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas. Je reprends ma carte. Donc vous pouvez voir que je vais tout droit par là. Moi, il faudrait que j'aille légèrement à gauche et un petit peu en bas. Je configure. Je dis légèrement à gauche, légèrement en bas. Oui, je viens de faire la verte. Et ce que je peux faire aussi, c'est s'appliquer à tous les propulseurs. Qui évite, si vous en avez 10, de devoir appliquer 10 fois la même connexion. Je reviens sur ma carte, et en fait, si vous regardez bien la flèche verte, elle indique vers où je me dirige. Donc on voit qu'elle peut être légèrement inclinée vers le bas, et dans la bonne direction. Donc là, à part un tout petit peu plus bas, je suis bon. Je diminue un petit peu. J'applique à tous. Et là, on n'a plus qu'à patienter un petit peu. On peut voir qu'on se rapproche tout doucement. Donc, sur la carte, on le voit un petit peu moins bien. Mais si vous regardez tous les astéroïdes autour, vous voyez qu'ils fouillent la base. En fait, c'est pas vraiment qu'ils fouillent la station, c'est plutôt qu'on avance. Quand on arrive, il faut vraiment scruter pour ne pas s'écraser dessus et pour corriger un petit peu. Donc, on peut voir qu'ici, il faudrait que j'aille un tout petit peu à droite et descende beaucoup plus. Donc, je viens ici, je reconfigure un tout petit peu plus descente et un petit peu à droite, j'applique à tous. Et là, on voit vraiment, on est tout proche. On voit clairement la superficie en forme de cratère. Donc quand on arrive tout près, il ne faut plus se fier à la carte, car la carte est approximative. Il va vraiment falloir s'orienter visuellement. Là, regardez ce que je vais faire. Je vais venir ici. Je vais diminuer ma puissance de moitié. Je vais légèrement descendre encore plus bas et j'applique à tous. Donc là, je vais m'approcher beaucoup plus doucement. C'est un petit peu comme arrimer un vaisseau, sauf qu'ici, c'est sur un bout de caillou.
On voit clairement qu'il n'y a rien du tout pour le moment dessus. Hop. Puissance 0. Donc il se coupe. Donc je n'avance plus. Là, j'ai déjà des trucs. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez. Des petits cristaux. Donc la question, c'est de se dire où est-ce qu'on va s'arrimer. Je peux aussi très bien visiter. Là, on peut mieux remarquer comment est-ce que je peux venir m'accrocher. S'il y a un endroit mieux prévu pour. Je fais juste attention à mon oxygène. Ah, il y a toutes sortes de petits minéraux. Cuivre, de l'or. Ici, c'est quoi? De la glace. Donc, je vais continuer. Donc, on peut voir ici que je vais d'abord descendre. Dire tout droit. Donc là, c'est tout droit sans descendre. Ou je descends, parce que je ne sais pas descendre sans aller tout droit. Et là, ça me semble bon. Je diminue encore la vitesse. Allez, maudit astéroïde. Et là voilà, je m'arrête. Désormais, je suis à quai sur l'astéroïde, donc je peux directement passer d'un côté à l'autre. Ce qui va me permettre d'exploiter en fait cette petite planète, on va l'appeler comme ça. On va passer directement à l'étape suivante, dans les technologies, qui est l'arrimage. L'arrimage, on va pouvoir créer une porte d'arrimage. Donc, je vais créer une porte d'arrimage. Ici, vous voyez que je peux la mettre telle quelle. Amarrer. Donc, il va falloir en construire une dans l'autre sens. Ça, je vous avoue que je ne l'ai pas encore fait. Comment est-ce que je remets ma poche, moi? J'ai oublié ça. Ah oui, c'est V, voilà. J'ai supprimé ce qui avait trop. Je peux en rajouter avec bouton droit. Là, ça va être chaud pour descendre. Et alors, dans ce cas-ci, est-ce que je peux rajouter une dans l'autre sens? Comme je vous l'ai dit, ça, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas. Regardez, à certains endroits sur la planète, il veut bien. Je pense que il faut que j'aie plus d'espace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode.